Comment nous y est? Bienvenue sur la plateforme Léona Choa. Jeudi, je viens participer à un meeting que un groupe compatriote a fait dans Mexico City dans l'objectif pour capable exiger droit du côté des Comar et immigration pour qu'ils soient capables de jouer une résidence. Actuellement, là, il y a un groupe compatriote qui est en commencé à réunir là. Côté objectif, c'est à va et demander avec pancarte dans main pour qu'ils soient capables d'aider à légaliser une façon pour qu'ils soient capables de jouer un travail, pour qu'ils soient capables légal, pour qu'ils n'aient pas de problème avec l'autorité mexicaine. Maintenant, nous, pacifiquement, avec les camps de il y a plein de papiers, nous avons 15-20 minutes, nous ramassons papiers nous noirs. C'est d'ailleurs pour seulement voir que nous sommes une communauté qui a besoin de travail et de papiers. Pour qu'on mal, nous papiers seulement. Pas un ou pas dit, seulement ça, ok? Non, Pam, c'est Joseph Wisner Breville. Ok, qui positionne l'activité qu'a fait Jodia là? Ok, l'activité qu'a fait Jodia, position pas moi vraiment avec lui à 100%, parce que tout immigrant qui n'ont pays, il a le droit. Pour lui capable réclamer droit ça qui c'est droit travail. Immigrant doit un papier pour le travail, c'est ça que je dis. Puisque n'a fait des démarches devant Comal plusieurs fois pour nous capable joindre papier travail ça, Comal fermé pour des raisons d'espace, il pas que gens me dit qu'il est là ouvrir, qu'il pas qu'il est pas ouvrir. Maintenant pour nous capable exiger Comal ba nous papier, nous faisons un meeting pacifique avec parade dans main pour demander Comal pour ba nous papier pour le travail. Bon, Jean qui n'a regardé là et un groupe compatriote, j'ai comme te dit l'auparavant, gagne pancarte dans main là qui marqué par exemple côté y a demandé pour que yo capable ba yo résidence dans Mexique pour que yo capable légal dans pays a. Pancarte ça qui dit comme ça, institution nationale migration et non s'abandonne. Ça veut dire migration abandonnée, ça lui même lui dit necesitamos residencia permanente para poder trabajar legalmente en México. OK? Elle dit nous besoin et résidence permanente pour que nous capable travailler légal dans Mexique. Bon, précision pas me jodia là. M'a demandé pour mon papier dans le Mexico pour me travailler. Tu vas demander papier. M'a demandé papier. Nous avons dit que nous résidence permanente pour pouvoir travailler légalement en Mexique. Ça veut dire que citoyen a demandé qu'il ait besoin de résidence permanente pour qu'il puisse travailler légal dans le pays Mexique. Mais est-ce qu'on a un objectif pour entrer aux États-Unis? Non seulement un objectif pour entrer aux États-Unis, mais si. Faut-il descendre par 4 là? Si je suis en papier dans le même processus, bon, je vais travailler ici. Ils m'ont obligé pour rentrer aux États-Unis. Okay. Depuis ça, ma cherché à me venir ici. Je suis hein? Obligé pour rentrer aux États-Unis. Est-ce que vous mettez au Mexique là? Oui, moi. Et qui sont demandé aux autorités mexicaines là? Je suis demandé pour que je papier pour mon travail. Pour mon travail. Oui. Mais l'objectif, c'est d'arrêter au Mexique? Oui, depuis que je suis arrivé, je travaille, je arrête ici. Hein? Mais depuis que vous pas joué, vous pas parler? Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas bon moi ici, je suis mal amusé ici. Hein? Je ne peux pas faire de travail. Et nous besoin rentrer famille non petite non madame non pour que nous stabiliser ici parce que tout l'autre pays connaît qui j'en pays non c'est notre objectif ça qui fait que nous là qui sont demandé à autorité mexicaine aujourd'hui là papier comment elle Orisma dans qui nous sorti Haïti Desaline. OK, vous êtes venu ici là sorti Haïti directement mais vous dans l'autre pays avant sorti Saint-Domingue. Vous êtes Saint-Domingue, combien de temps vous fait Saint-Domingue? Fait 10 ans. Vous faites 10 ans. Oui. En 10 ans, ça, vous êtes arrivé légal là-bas? Non, je ne mets pas de visa. Le président là-bas a des problèmes. C'est ça que je fais ici. Je suis dans un domaine légal. Mais ça que je fais ici. Je suis dans un domaine comme le président. Ou légal, je vais passer misé. Okay. Est-ce que vous entamez le processus auprès des autorités pour capable légaliser ça déjà? Moi, j'ai besoin de légal. Est-ce que vous avez commencé le processus déjà? Oui, j'ai commencé. Dans qui est-ce que vous êtes là? Mon gars, deux mois de ma marche ici, là, ma marche ici, Bon, mes amis, meeting n'a pas continué là, et malgré mon yoté attendre, il y a plus de monde qui t'a venu, mais malheureusement,
t'as semblé que monde qui ont des gens craint tout, mais autorité aussi tout qui là-bas qui est en fait nous connaît que c'est un fait normal dans pays ici pour monde capable réclamer droit yo surtout et migrants qui t'a remé légal dans pays a dit son fait normal tout autant nous fait et de façon pacifique alors moun yo là tranquille et malheureusement nous t'a attendre t'a gagner un plus grand nombre et des monde qui t'a venir dans meeting là mais jusqu'à présent c'est ça qui nous gagne là. Alors restez connecté avec Leonacho depuis qu'il y a une évolution qui fait dans meeting dans jodia dans Mexico devant côté Bioko Malte malgré jusqu'à présent pour gain local mais c'est là moun yo choisi pour venir faire mouvement ça là. Alors restez connecté avec Leonacho n'a tourner dans un petit moment. OK, pendant que moun yo campé là, gagnen yon citoyenne qui vinn bay quelques informations là concernant mouvement qui yo k ap fèt là. Alors information qui a bay là c'est que y a yo wè ki pankade yo marqué que haïtien yo besoin résidence permanent. Madame k ap pale a ki pa d'accord pour me filmer li. Et ça fait me pas filmer, li di kon sa ke koma li même c'est refuge qui yo bay qui capable mener à résidence permanente mais c'est immigration qui en chargé pour bail résidence permanente comme lui-même li là li en chargé Jean qui me dit plusieurs fois déjà il est capable ba ou protection ou bien refuge si toutefois ou qualifié c'est ça qu'app dit là alors m'a traduit pour nous pour que nous capable et connaît qui ça qu'app dit là alors nous capable voir que message là lui-même li commencer joindre autorité yo côté yo voyer vinn faire un dialogue et gain plusieurs monde là qui a fait photo qui a fait vidéo. Il y a des gens qui sont en danger, ils ont tout droit pour qu'ils soient capables de demander refuge et protection, mais actuellement, là, il n'y a pas de problème encore. Ok, les gens qui veulent demander refuge, ils ont parlé dans le comal numéro 1, mais actuellement, là, le comal numéro 2 a quitté là, il n'y a pas de problème encore. Ok, permítame traducirles porque la mayoría no entiende. Ok, misa le di que nous te gitan konnen déjà, que nan bureau ça là comme al pala encore. Yo di kon sa que normalement et résidence permanente qui yo n'a mandé a, c'est immigration qui gen droit ba nou, mais comme al li même nous déjà konnen que li en chargé pour capable ban nou refuge et protection. Nan moment là, yo di nous que nous pas ka vinn mandé là parce que comme al c'est comme al li meu di acte là, pas vrai? OK, li pa la encore, nous capable aller dans comal numéro 1 pour moun ki poko entamer processus, d'accord? Alors c'est ça que vous voulez faire nous connaître, comme yoé nous camper là, quand même faut que yo te sorti parler ensemble avec nous, que ou pa la encore, yo poko connaître côté a mettre comal numéro 2 en attendant nous capable aller dans comal numéro 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé quelques questions? Oui, ma. OK. Ya les traduci y él tiene una pregunta. Posez question. OK, on dit que comment il est là pour pas question refuge. OK. D'accord, la question refuge. Mais on qui déjà entamé question refuge dans comal 1 qui passe comal 2 et puis comal fermé, il pas jamais qu'à signer pour joindre résidence permanente pour qu'à vivre ici. Et mon là, il gagne manger pour manger, faut payer caille, faut boire, faut faire tout bagage. Tout côté dans le travail, il dit nous pas capable de travail. Faut nous gagner un permis de travail. OK, elle dit que usted dice que normalmente una persona que quiere empezar su solicitud de refugio puede hacerlo, pero hay de ellos que ya lo han hecho y que lo han estado citando para la firma y que actualmente no tienen dónde firmar, no tienen una respuesta exactamente de dónde está Comar. O sea, han ido a Comar 2, Comar 1, que supuestamente están cerrados. En las redes sociales he estado publicando que mientras no tengamos un domicilio establecido, las firmas están suspendidas. Ya cuando tengamos un inmueble donde operar la Comar en Ciudad de México, a través de las redes sociales se va a publicar el nuevo domicilio donde tendrán que acudir a firmar. De hecho, ya no existe el calendario en las demás entidades. De ellos tienen que firmar el día que ellos puedan, cada 10 días. ¿Sí? OK, normalement et dès que yo poko gen yon nouveau adresse pou ko mal kite nan bureau côté ni là et yo camper tout et processus pou siyen
nous capables suivre sur les réseaux sociaux pour que nous capables nous capables joindre information les que aux union locale pour capable mettre comme le numéro d'a laisser tout le monde à reprendre processus pour continuer filmer et signer pour chercher à atteindre objectif pour résolution refuge là. OK. Oui, moi d'accord ça le dit déjà. Mais nous avons besoin de papier pour travailler, c'est important. Avant hier, mercredi passé, bon groupe réfugié qui réfugié ici cubains, haïtiens, vénézuéliens. Yo réfugié le bois, immigration qui est débarqué, il prend tout le monde ça près de 400 et puis tout le monde ça gentil 4 et non mais on a réclamé jodi a en tant que droit que nous avons réclamé ticket ça pour travailler dans l'immédiat même gens que comme malgré l'immigration qui capacité yo qui capacité pour bailler. Si on était bailler mercredi nous même tout besoin qui vient là faut une cage parce que capacité pour faire ça c'est un bail humanitaire. Soit être humanitaire, nous voulons demander avec Komal, nous voulons demander à l'immigration humanitaire pour Komal aider nous, faire contact de Komal à l'immigration pour nous passer nos phases humanitaires, urgence avec nous qui la jodia. Ok, elle disait que hace, non sé si una semana o días, que había un grupo de migrantes que estaban acampando en un parque, pues migración y la Komal pues los ayudó a por lo menos conseguir la tarjeta de visitante. Y al igual que ellos que también necesitan trabajar, que necesitan mantener a su familia, donde quiera que van a buscar trabajo, pues le dicen que necesitan un documento legal. Ellos están pidiendo no la residencia permanente a través de Komal, o sea, a Komal directamente, sino que Komal los pueda ayudar para que puedan intervenir y ayudarlos a que ellos puedan llegar hasta migración y conseguir algún documento. Que porque como hicieron con los que estaban en el parque, pues no los ayuda igual a ellos también. Como les reitero, ese operativo lo hizo únicamente el Instituto Nacional de Migración. La Komal no tuvo que ver en ese operativo. Y el instituto vino por las personas extranjeras y las llevó a otras delegaciones, a otras entidades, para darles la tarjeta. Pero fue directa y únicamente el Instituto Nacional de Migración. Komal no intervino en ese operativo. Ok, le fait qu'on est que Komal n'a pas intervenu dans l'opératif qui était fait pour qu'il soit capable de faire et documents ça. C'était immigration directement qui te prend initiative là pour lever mounio dans l'espace côté où t'es à mettre on l'autre côté et puis tout bat tout le monde et au moins quatre travail là, quatre travail un an pour qu'il soit capable de fonctionner. Mais c'est pas Komal va bien pour avec ça, c'est ça qu'il dit. Ok, il dit comme ça que normalement ça qu'il a demandé là, il t'a suggéré nous aller exactement. Et bon, nous avons des adresses là, qui me passent, je vais répéter tout ça. Et nous sommes capables d'aller devant l'immigration directe pour nous faire mouvement ça. Parce que c'est eux-mêmes qui attribuent pour la résidence. Komal lui-même, il est capable. Si nous, par exemple, demandons des refuges et protection dans Komal, Komal peut prendre nos documents avec résolution positive, s'il est positif, pour nous faire dans l'immigration. Mais c'est l'immigration exactement qui attribue pour capable faire processus résidence. D'accord? Et pour te passer une interview ici. Hein. Uh-huh. Par exemple, moi-même, j'ai une interview le 29 mai pour que je te passe d'abord là, après ça, pour que je te voie dans l'immigration. Pour te passer dans le bureau ça là? Oui, pour te passer dans le bureau le 29 mai. Est-ce que tu as un local? Bon, ça, je vais répondre. Est-ce que tu as un local? Est-ce que tu as un local? N'attends sur les réseaux sociaux, les qui ont lancé, mais qui côté pour continuer le processus là? Mais c'est même bagarre que tu as demandé. Son urgence que tu as pour nous là. Quand tu as son urgence, quand tu as lui-même, parce que je connais, il y a des gens qui vivent dans le coma là, par exemple. Par rapport avec Jean Mouna et Jean Mouna souffri, Komal voue le même voie dans l'immigration que je viens. Parce qu'on entend entre Komal et l'immigration. C'est ça qui fait que je me demande de suggérer que ça veut dire doléance par nous, que lui-même lui voue le bail Komal, tant que par exemple tout ça que nous faisons là, voue le bail immigration. Et laisse ça nous même dénier, ou bien que le meeting qui nous a fait de l'immigration déjà prend mes mots de nous, et puis laisse ça aller dans pour nous faire un papier. Ok, monsieur ça, lui-même, que moi interviewé déjà, a pu expliquer que les gens ont situation de santé côté les malades, ok? Les malades, les tarés mais une résidence qui pour faciliter aller l'hôpital et puis entrer famille. Mais au dire comme ça, quelqu'un a commencé pour ces six là dans Komal déjà avec papier qu'il n'amène là, pas aucun hôpital, aucun institution de santé qui capable nier les soins, qui capable dire pas bal les soins. Ça veut dire c'est un droit. Qui est légal, qui est illégal, qui réside ou pas résider, depuis où aller l'hôpital, il doit avoir des soins comme ça doit. Alors, on continue là, dans le meeting là, j'ai dit que nous avons des informations, nous avons dit pour ne pas filmer, nous avons dit ça. Alors, on continue à filmer pour nous dans le meeting là, et puis tout, nous avons toutes les informations de ça qui est passé là.
Et il y a plus de monde qui commence à arriver dans le meeting. Nous avons un groupe de monde qui n'est pas présent depuis tout à l'heure, qui fait venir là. Comment c'est le processus déjà? Qui est-ce qu'il faut lever mais tout le monde qui peut commencer? Qui est-ce qu'il faut commencer? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent déjà? Oui. Ok, il y a des gens qui peuvent commencer même. Côté monde qui peut commencer, levez mais nous s'il vous plaît. Madame Tandem, qui monde qui peut commencer processus dans le mal même. Ok, los que levantaron la mano no han empezado, pero aquel, por ejemplo, tiene, él dijo que hizo su entrevista y que está esperando respuesta. Sí, los que ya tienen trámite con Comar tienen que esperar a que les llegue su correo, la respuesta, para ya sea para que los agenden a su entrevista de elegibilidad o le den respuesta. Tienen que esperar en su correo electrónico. Los que no han iniciado trámite... Ellos quieren empezar. Tienen que acudir a nuestro punto de primer contacto. Los que quieren pedir refugio... Permítame traducirle, por favor. Ok. Pour les gens qui commencent le processus là déjà, restez, veuillez email nous parce qu'il y a vos emails pour nous. Si tout le monde qui fait interview déjà, pour qu'ils soient capables de nous et rendez-vous pour résultat nous. Les gens qui peuvent commencer, comme numéro de affaire, comme le affaire, ils peuvent jouer un local pour qu'ils soient capables d'établir, nous sommes capables d'aller dans le Comal, contact ou non. Nous sommes capables de commencer le processus là-bas. Parce que ce n'est pas tout le bureau Comal qui ferme, parce que le bureau, ça qu'il dit, qui se contacte ou non, le bureau, ça lui-même l'ouvre pour les gens qui peuvent commencer le processus déjà. Est-ce que nous clair? Les gens qui peuvent commencer déjà, aller dans le contact ou non. Ok, pour nous, nous avons une adresse là, nous avons une adresse là online, nous avons une sur Google Maps, nous sommes capables d'aller là-bas. Les gens qui commencent déjà ou qui ont commencé le processus, ils disent que nous devons patienter, nous devons attendre qu'ils aient nos réponses. Et si tout est dans le Comaldea, les gens qui ont commencé dans le Comaldea, nous devons attendre qu'ils reprennent l'activité pour qu'ils continuent à signer, signer. Ok, attendez bien. Actuellement là, comme nous avons besoin d'une réponse, ils disent que est-ce que nous sommes satisfaits. Et parce que si nous étions là, les voisins pour commencer à relayer la police et les patrouilles sont capables de venir là, côté eux-mêmes sont capables d'arriver à des difficultés. Si toutefois nous satisfaits de toute réponse qui est au nous, de ça, nous sommes capables de faire en sorte que nous déplacer, quitter la zone. Les gens qui ont commencé déjà, patienter et puis suivre email nous pour toute nouveauté. Les gens qui peuvent commencer à aller dans le Comar contact ou non pour capable commencer le processus. Après ça, pour les gens qui veulent exiger, et une autre façon, résidence permanente, ils disent que c'est dans l'immigration pour que nous capables d'aller à l'exiger parce que eux-mêmes, c'est pour protection avec refuge qui a mené à résidence permanente. Mais effectivement, ce n'est pas eux-mêmes qui a accordé le document. Est-ce que nous satisfaits? Ok. Bon, bah, satisfait, ça peut pas satisfait. Parce que si nous défendons la résidence permanente, nous n'avons pas du mal à l'immigration mal faire résidence permanente, nous n'avons pas de résidence permanente. Non, dans le cas pour là, excusez-moi, citoyen qui dit qu'on ne pas satisfait parce qu'il a dit comme ça, qu'il est dans le processus là. Dans le cas pour là, on dit que tant, il n'y a pas dû aller dans l'immigration, on l'a dit au mal, non, il dit tant qu'il y a une bonne réponse. Tant d'emails qui a une bonne réponse le plus vite que possible. Je connais ma petite résidence pour me suivre l'hôpital parce que l'hôpital n'a pas de bon service, je ne peux pas résider. Ok. Je ne pas résider, je ne peux pas avoir tout service, c'est level 1 pour moi, je ne peux pas faire 2 pour moi. Il faut que je résidence pour me dans l'hôpital pour avoir toute solution que j'ai besoin. Bon, t'as dit pour. Ok, elle dit que quand elle est enfermo, elle est son enfermo, quand elle va à l'hôpital, le dicen que solamente le pueden servir a nivel 1. Porque ya con sus complicaciones de salud, le dicen que hasta que no tenga la residencia, sea temporal o permanente, no lo pueden atender hasta cierto grado. Es por eso que él está exigiendo a ver si le pueden dar una respuesta rápida para que él pueda acudir al médico y obtener servicio. ¿Él tiene trámite con Comar? Sí, tiene trámite. Ya hizo la entrevista. Si desde el principio él señaló que estaba enfermo, todos esos casos vulnerables los tenemos pendientes. Es otra de la que está estudiando su caso. Para todas las personas que tienen un problema de salud o son vulnerables, son a los que se les da prioridad precisamente. Pues él ya tiene trámite con nosotros, solamente tiene que esperar a que lo contacten por su correo electrónico. Además, la Constitución señala que a nadie se le puede negar el servicio médico independientemente de su situación regular. Entonces, no podrían negarle la atención médica de tercer nivel. Y las residencias permanentes pues las da migración, no las damos nosotros. Okay, ¿me comprenden? Ok, il dit comme ça que si toutefois vous avez commencé pour ceci avec vous déjà, vous avez indiqué que vous êtes malade,
ou pas besoin inquiéter parce que tout le monde qui est malade, qui a des difficultés, qui est vulnérable, vous mettez en priorité. Simplement, tant automatiquement que vous avez une réponse, il y a pas une réponse là. Mais il dit comme ça, jusqu'à 3e degré, vous n'avez pas de niveau et soins dans l'hôpital. Dis-le comme ça. Mettez en priorité, mais pas vraiment ça. Pas vraiment comme si vous avez un malade qui est malade. Parce que moi-même, je suis là, c'est risque. Je ne peux pas camper dans le train. On a frappé malade dans le sentier. Tout le côté est très jaune, c'est maladie. Tout ça, c'est maladie. Ok. Malade dans la colonne vertébrale. Oui, tout le côté est là, c'est maladie. Je ne peux pas camper. C'est un risque féminin là. Bon, jusqu'à présent, je pense que c'est même moi qui pose dans le livre là-bas. La balle du temps qui ouvre l'email là-bas. Je pense que c'est ça. Mais je dis comme si il faut prendre tout le monde qui est malade. C'est ça, pas vraiment. Ok, moi, pour toute réponse comme je suis là, moi, à 50% satisfait parce que ça me fait connaître est-ce que Komal apprend Kano en considération, qui dit non, oui. Tout le monde qui est déjà en position, déjà Kano en considération. Et mais ça fait que 50% non satisfait parce que nous avons une possibilité pour nous et petit 4 visite là dans l'immédiat. Parce que vous avez fait, vous avez carré fait encore. Est-ce que vous avez nous-mêmes? Non, pas gagné, c'est le map cherché là. Pas gagné, puisque vous avez bailli. Yo dans la même journée, hein, yo capable. C'est ça qui fait que je voulais adresser un message directement à l'immigration. Comme madame, c'est l'immigration qui te fait action ça, hein, et humanitaire ça, que je voulais adresser directement à l'immigration. Et comme Léonard Chaud, c'est un média en ligne, moi, je vais tout lancer un message humanitaire à l'immigration pour que quelqu'un me accoule pas pour nous qui l'a aujourd'hui, qui a cherché. Moi pour le travail. Nous adressons avec directement maintenant avec président immigration à toute équipe qui travaille avec lui. Côté que un groupe haïtien qui nécessite de travailler dans le pays. Côté que entreprise mexicaine yo d'accord, yo croient dans compétences haïtiennes yo pour nous travailler. Yo croient que nous compte travail, que nous quatre travail. Yo dit y a pas notre travail, mais yo peur pour pas un problème avec l'état pays yo. Qui ça demande nous? Il faut que l'État pays a bah, nous un petit cadre de travail que nous les carnets pour nous travailler dans le pays dans l'immédiat. Sinon, nous ne pouvons pas travailler. Nous allons avec l'immigration qui a fait un petit cadre la semaine dernière là, avec un groupe immigrant pour nous-mêmes qui l'avons dit, pour penser avec le groupe ça, pour le relayer nous, pour le cadre là dans l'immédiat, j'en ai fait œuvre humanitaire ça. Nous ne pouvons pas faire l'ordre, mais nous demandons une œuvre humanitaire pour nous capables de vivre dans le pays légalement. Merci. Merci. Parce que le message là passé, mes amis, tout le monde qui a regardé là, partagez au maximum. D'ailleurs, vous avez point information plateforme Léonard Chaud pour que vous soyez capable de voir exactement comment et qui ça nous exige. Bien que vous avez une réponse qui est là, devant côté bureau, Komal numéro 2 à lui-même, l'ITE. Il y a beaucoup de local, tout le monde qui commence le processus et dans Komal DA qui est dans le local, ça à côté nous est là actuellement là. Capable de répondre selon sa autorité ou même, yo informé. Merci de ce que tu as regardé le reportage. Non, pas M. Alcino Léonard. Ça, c'est Léonard Chaud, la vie haïtienne dans Mexique. À la prochaine.